Désolé les amis, mais j'ai eu quelques soucis. Voilà. Du coup, j'ai fait comme une sorte de coupure. Voilà, de là à là. J'ai rien fait de plus. J'ai activé la quête pour secourir des colons, mais bon. Directement à la Diamond City. Je vais vous montrer une technique comme ça. Attendez. Comme ça. Vous activez votre mode swarm et vous le désactivez. Je vous remontre en tutoriel. Un peu une visée assistée. T'as vu ça, hein? Visée assistée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais je vais faire attention à les ennemis que je croise. On va se la jouer professionnelle, d'accord? On va passer par là. Voilà. Je suis désolé, mais falouteur d'avoir zappé ce passage. Saleté de panneau. Pas des méchants dans la zone, je tire au cas où. Ça, j'ai valu le périmètre. Et ma perception de merde, je suis pas sûr. Voilà. Habitant. Au moins, je me casse de là. On va aller à Diamond City, voilà. Là, c'est l'abri 81. Voilà. Regardez, vous avez activé une grenade. Voilà. Vous faites ça, vous appuyez sur rond, et voilà. Vous pouvez lâcher votre doigt. Voilà. On s'en gaspillerait moins de grenades. Réveille-toi, la bagnole. Parce qu'elle est morte. Le moteur est mort, tout est mort. T'as pu, vous avez pigé. Bon, j'ai arrêté pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est pas furtif ce que je fais là. Même le contraire. Ah d'accord. Soit, soit, soit. Il vaut mieux ne pas intervenir dedans. Vous voyez, on n'a pas un level acquise, on va dire. Alors ça bon. Bordel de merde. Je vais faire aller à Diamond City, moi.
Ok, on va les liputer, les gars. Ça va pimenter un peu notre vidéo d'une demi-heure. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en réserve? Ça ne sert à rien. Ça vaut combien de valeur? Ah, quand même, ça vaut quand même de la valeur. Soixante dégâts. Ça vaut pas mal. En mode campeur. Oh bordel, fast impact. C'est rien, c'est rien. Ouf. Son efficacité, GG. T'as vu ça qu'on les a tous massacrés? Voilà les gars, mettez un pouce bleu pour cette vidéo, s'il vous plaît. Là, je vous le dis en vidéo, mettez un pouce bleu. Comme le ciel qui est bleu là! Vous avez vu? Comme le ciel bleu là! Et en plus qui pointe vers le ciel, s'il vous plaît! Parce que j'ai tué plus fort que moi! Le mec il aurait pu me massacrer en 2 secondes! Moi j'ai joué en mode stratégique! Voilà! Excusez-moi. Le Commonwealth, c'est une région dangereuse. Vous avez de la chance de vous trouver tout près du beau diamant vert. T'inquiète, j'ai défoncé un super mut. Vous foutez de moi, Danny. Je suis en terrain découvert, là, bon sang. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais oui. Le maire est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus dessous. Alors, faut savoir que le maire de Diamond City, c'est un synthétique. Et elle a raison, en fait. On dit que les médias disent pas tout le temps la vérité, mais là, c'est réellement la vérité. Voilà. Il faut le savoir, mes chers amis. Voilà. J'ai arrêté de spoiler, là. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte d'Annie Sullivan. De toute façon, tout le monde a fini le jeu, alors vos gueules. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Annie, ouvrez! Vous, là, vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Je viens juste d'arriver, mais oui. Chut, chut. Jouez le jeu, d'accord? Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Ça alors? Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes bon, ses provisions? Bon, d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Ça me va? Encore une belle journée à Diamond City. Ah bah vas-y, moi j'y vais, moi. Qui vous a laissé entrer? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Alors... On est des enfoirés, je sais. On a combien de capsules sur nous? Il faut qu'on ait notre propre maison là-bas.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est bien. Dans l'autre épisode, je vais essayer de mâcher. Ça pour ça, je vais faire une coupure, ça. Pour ma nouvelle maison. Ok? Bon. Parce que ici, ce sera trop long. Le maire n'est pas d'humeur à parler de ses inepties sur les synthétiques. À moins que vous n'ayez... On va revendre notre minigun. C'est beau, hein? Et ouais, ça, ça, que ça ressemble. Désolé pour les ceux qui jouent pas à Fallout 4 et que je spoil, hein. Mais c'est réellement asthétique, en fait. Un thug. Oh, Canigou est un thug life. Thug life. Ah, il nous reste 10 minutes, c'est vrai. Le temps qu'on se réunit, de quoi s'acheter. Voilà quoi. On essaie de voler un maximum de choses, comme des enfoirés, on va les revendre. Savoir qu'il n'y a pas les glitchs, alors laisse tomber quoi. Allez, on va essayer de voler un maximum de trucs qui vaut de la valeur. Au moins sur Fallout, vous pouvez voir la valeur de l'objet au moins. Ici, on est obligé d'aller. Alors ça se vend bien. J'ai vu la sécurité faire le ménage dans une autre maison. C'était chez qui? Bordel. Voilà, voler les objets qu'il y a. On essaie de revendre tous les. Waouh, vous êtes pas une demi-portion. Le surplus de Diamond City. La seule, toutes les autres boutiques sont peut-être fermées, mais le sur. Voyons ce que vous avez. Ah, un robot, ça se repose pas, qu'est-ce que tu veux? Regardez que le 10 mm. Ah, c'est pas gagné. Hein. On va regarder le musquet laser, il était très efficace. Ça vaut pas beaucoup, hein. Alors, faut savoir que la maison ici a vaut 2000 capsules. Mais j'ai pas encore fait le glitch, alors du coup, voilà. Voilà. Alors, on va aller activer cette quête, c'est parti. Savoir qu'on peut gagner un trophée ici en faisant le truc run, je sais pas quoi, mais bon. Mais bon. J'avais bien dit que la chance finirait par tourner. T'es des objets de valeur. C'est non. Que dalle. Les factures. Oh, oublions-les. Quelque chose ne va pas? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Ouais, déclenchez vite, je suis désolé. Hein. Je sais que vous devez être très occupé, mais je ne prends. Vous avez raison, je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Bien. Il y a un vieil... Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être. Nick ta mère, plutôt. Un jeune mot. Et voilà. On va pas se quitter comme des enfoirés, ça fait 20 minutes là. On va essayer de voler un maximum de gens. Voilà. On va dire que ça fera l'affaire. Voilà les amis, on est de retour. Bon, c'est une coupure en fait. Si ce soit la PC, on peut faire qu'un quart d'heure alors. Voilà, une bière, une bonne bière. Ta gueule, le chien. Son dernier, un animal, c'est pas une insulte.
ferme ta gueule. Quel est ce dossier que je m'en bats les steaks? Ou bordel. Ah, c'est plus réaliste. On se prend tout ce qu'elle a. Ouh, ça doit rapporter beaucoup. Alors, on va essayer de faire vente. Notre mission sera de piquer les capsules. Tu vas me dire, c'est pas rentable, mais bon. Je veux 2000, absolument. 2000. Ou alors, si j'ai un peu plus de charisme. Ah, c'est une bonne idée, ça. Charisme, direct. Voilà. Bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley? Où est mon frère? Moi, je m'en bats les steaks de l'événement. Bon, ça, c'est un événement, bof. Pas très important. Pour le principal... Jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Si vous le tuez, les habitants vont être contre vous. Ne faites pas. Parce que moi, j'aime pas les synthétiques. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Attends. Il a pas de composants synthétiques, ça va. Guy, non ! C'est pas moi ! Le spectacle est terminé. Ah non, ça va. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez ? Restez-moi, je vous jure. Parano. Si ! Ah, j'en prends tout ce qu'il y a sur lui. Ah, il est des vrais enfoirés ! C'est première. Tiens ! Ah, c'est parti, on va essayer. Excusez-moi. Le synthétique est mort, pas vrai? C'est bien ce qui s'est passé. Ouh, j'étais en train de voler quelqu'un et tout d'un. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Voilà. Allez, putain! Je vais avoir ces 2000. Ah, je suis désolé, hein. Si vous voulez. Allez. Chacun est à sa place, comme prévu. Alors lui, il va vous faire un Fatman, le bon gars. Voilà. Tout le monde le sait, normalement. Je suis tout bien monde nouveau. Le sait. C'est bien. Voyons ce que vous avez là. Il y en a pour tous les goûts. Ok. Voilà. What the fuck? Avec les mises à jour, ils l'ont mis. What the fuck? Elle valait que 300. T'as abusé là. Franchement, je connais des glitchs. Hein. Moi, je vais tous les revendre. Le 38. C'est de la merde. C'est sur la fusion, il est 10. Ça, c'est à cause de mon charisme de merde. Pas besoin. Ça vaut rien. On avait dit qu'on allait... Non. Pas le radar. On avait dit qu'on allait jouer honnête. Mais pas si honnête que ça, on va dire. Semi-honnête.
Ça va. Bonjour, Myrna. Vous, je vous connais pas. Gardez vos distances. Gardez votre calme. C'est... Ça ne fait aucun doute. Bon, je veux bien vous croire, mais... D'accord, on peut faire affaire. Voyons ce que vous avez là. Tout ce dont vous avez besoin. Putain, je pense qu'à Diamond City, je les ai tous massacrés, quoi. Ah ouais, d'accord, ça vaut quand même de la valeur. Je m'en fous. On gagne rien du tout. Hein? On peut le prendre? Merci. Hey. Vous là, vous avez besoin d'une authentique cogneuse en noyer taillé. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Une batte de baseball ne tombe jamais. Ah ben voilà. Ah, ils ont cheaté, hein. Les développeurs, ils ont abusé, là. Ils ont abusé au niveau du prix. Alors, on est des pauvres dans ce jeu. Attends, normalement, il y a un truc ici chez le Shane Kowalski, là, un petit gamin de merdeux. Là. Qu'est-ce que je te répète sans cesse au sujet de la propreté du lac? M'oblige pas à fermer ton stand. Chaque goutte d'eau qui sort de ce filtre est pure à 100%. Pourquoi faut toujours que l'administration harcèle les hommes d'affaires honnêtes comme moi? C'est un risque pour la santé, Shane. Dites plutôt que c'est un risque pour les profits, ouais. Lol, il y a même des cadavres dedans. Et je suis tout à fait capable de le faire. Ah, bordel! Merci bien. Elle n'est pas pure, ton eau! Ça, il a raison. Ça vaut combien, ça? Ah, quand même. Ah, comme un enculé, on va lui revendre la chaîne Kowalski, on va lui revendre tout ça. Comme un gros enculé, là. Trop fort. Ah oui, merde, ça fait une demi-heure. On se dit à la prochaine, et dans ma prochaine vidéo, j'aurai déjà une maison d'Diamond City. Voilà. Au revoir. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, voilà. Pour continuer ma série et mes astuces qui vont bien vous plaire, je l'espère.